Bonjour Monsieur Berta. Bonjour Monsieur Lagarde. Vous emmenez voilà, les croissants. Vous prenez les C'est bon, vous avez les croissants. Et la bière. Et la bière. Vous êtes réveillé? Oh oui, bien dormi, bien réveillé. Vous êtes pas en retard. C'est un petit peu mal à la gorge. C'est vrai. Je souffre terriblement. Ouais. Force de compter les poissons. Alors Monsieur Berta. Lui-même. Nous allons arriver un petit peu en retard ce matin à ce concours de Pont-de-Vaux, sans sas de Pont-de-Vaux. Est-ce que ça entame votre morale? Du tout. Nous serons arrivés à temps pour leur mettre une grosse branlée. Alors, surtout, à quelle équipe on va torpiller? J'ose pas donner le nom parce que ça va les vexer quand ils vont le voir. Alors, mais c'est l'équipe à Colin. Hein. Ah, et puis Colin et De Villard, les tafioles de Macron. Les tafioles de la Saône-et-Loire. Les tafioles de la Saône-et-Loire. Bon, et bien c'est noté. Je leur passerai le message dès qu'on va arriver. Ouais, des petits branleurs. Ouais, c'est très bien, je les appelle les députés avec toute la communauté iPhone. Bonjour. Et moi, quand je l'appelle, ça coupe le téléphone. Bonjour, les enfants. Ça coupe notre appel, parce qu'il y a priorité à la communauté iPhone. Ah d'accord. Ah ouais. Bon alors, est-ce que vous avez bien rangé le matériel, les commis? Est-ce que le matériel c'est le est... Bordel, là. Mais non. Bon, alors, oula, là, vous avez fait de la morse rouge? Ouais, pour changer un orange. Peu. Alors, orange. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme amorce? Contrairement à ce que vous avez fait comme amorce. Contrairement à ce que disait Dominique Collat, je suis allé voir la couleur de l'eau et la couleur de l'eau qui n'est pas claire du tout. Tu peux aller constater et si tu me dis que. Alors, ils auraient essayé de nous embrouiller. C'est possible. Alors, de la terre de Somme? Toujours de la terre. Le bas couronné? Ah non, pas là, non. Hein? Ah non. Alors ça c'est le bac pour les ablettes et pour le fond alors? Et pour le fond c'est encore dans la voiture. Mais on se demande si on la mouille tout de suite. Et on va peut-être pas la mouiller tout de suite. On va peut-être pas la mouiller tout de ouais, suite. On va faire comme d'habitude. On va vous faire un litre de terre. Et est-ce qu'on mettrait l'amorce le diabolique dans l'eau? Je ne sais pas, j'ai pas le pouvoir absolu, monsieur Lagarde. Non, pour les options stratégiques, il faut regarder les têtes pensantes. Oui. La tienne, ça c'est la mienne. Ça alors, monsieur Bertin, oui, l'amorce diabolique, est-ce qu'on peut en parler? Et si présent. Alors, est-ce que vous pouvez la toucher que pour la faire voir à. Regardez, mais elle n'est pas trop blanche, votre amorce, regardez. Je suis disant que c'est trop blanc et on prend pas souvent des. Alors, vous l'achetez où? Vous l'achetez à Vittel. D'accord, regardez, et vous croyez que ça va suffire de litres d'amorce? Les petits pois blancs, les petits pois jaunes, les petits pois noirs. Il y a tout dedans. Ouais. Bon. Et celle-là? Ça va nous permettre de mettre une grosse branlée? Ah, peut-être. Et on la garde blanche, alors? Monsieur Colin, on la garde blanche. On mettra d'accord. Une grosse branlée à monsieur Colin. D'accord, c'est bien noté. Moi, ça me plaît, ça. Eh ben, on parle du loup, on n'y voit pas la queue parce qu'il fait trop froid. Salut, Macaille, ça va? Eh ben, René Bertin et Thierry Bruand, ils disaient qu'ils allaient te mettre une grosse branlée aujourd'hui. Moi, j'ai rien dit. Ah, il m'a dit, s'ils pêchent avec la tafiole de Chanlon et du bois, là, ils sont mangés, les gars. Nous, on a déjà gagné hier. Ah ouais, ouais. Ça va, Macaille? Ça va? Qu'est-ce qu'il dit, Jérôme? Salut, Macaille. Salut. Comment ça va, ma petite Macaille? Alors, voilà le célèbre artisan d'info-pêche. Le pêcheur au cormoran. Il a honte, il est à la buvette, hein. Il lui reste plus que ça à la buvette. Alors notre responsable corpo, monsieur Sarr, bonjour monsieur Sarr, dites un coucou, des millions de filles vont vous voir monsieur Sarr, si vous voulez vous mettre torse nu. C'est parce qu'il... Alors notre petite main, notre main gauche, le Thierry, le roi du tirage. Ah c'est 40, d'accord. Alors, et si vous prenez des repas, si vous pouvez les prendre maintenant, ça nous arrangerait. Vous aviez pris le pot-au-feu, non? Enfin, vous pouvez le prendre même s'ils en ont retenu. Mais... C'est combien? 10. Alors, j'ai trouvé un espion, c'est Jacquinot, multiple fois vice-champion de France. Je suis venu voir l'amorce belge, là. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est venu regarder? Avec ça. Le bac. Oh, le bac. Le bac. Regardez-moi ça, cette texture, cette couleur, on en mangerait. Non, alors ça, je couperai peut-être après au montage, ça va dépendre oui, de ce que je vais prendre. Oui, je pense que c'est préférable. Jérôme, vos impressions de la première heure de pêche? Catastrophique, avec 6 poissons, je pense que je suis très très bien. Donc c'est un bon début alors. Voilà, 6 poissons pour... 300 points? Ah non, moins que ça. Moins que ça? Ouais.
Bon, les efforts sont à poursuivre. Tout à fait, professeur. Allez, bon courage. Merci. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que ça donne ? Pas grand-chose. Pas grand-chose ? 5 poissons. 5 poissons ? Bon, faut maintenir ce rythme. Faut essayer de maintenir le rythme. Allez, c'est le début de saison encore, les organismes. Bon, nous sommes à côté d'Alexandre Codin, qui souffre aussi un petit peu comme les autres. À côté de Robert Bernier. Petit gardon. Bon, je vais vous présenter le meilleur coach de la région Rhône-Alpes, en la personne de Fred, qui va nous donner ses impressions. Eh ben, alors Fred, comment ça se passe ? Oula, heureusement que je pêche pas. Oh, dis donc, ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'il fait, Frisouille ? C'est vrai dur, il est capot encore. Et... Ouais. Et il a du mal à dérouiller. D'accord. Contrario de son collègue et coéquipier qui est deux places à droite. Ouais. Qui prend des poissons. Lui a déjà fait deux poissons, il a déjà dérouillé deux fois. Ils ont la même amorce, le même type de pêche, le même amorçage. Ouais. Et ça le fait pas. Mmh. Il y a encore beaucoup de tollé, à ton avis, là ? Oui. Ouais. Ouais. Tout le secteur du haut, là, pour la première heure, il s'est sorti peut-être 5 poissons. Alors que c'est le secteur qu'on estimait le meilleur. Voilà. D'accord. On pensait le secteur le meilleur. Ouais. Non, non, c'est vrai dur. Courage, Frisouille, courage. Bravo, Eric. Et voilà, concours sans sas fini. On attend les résultats, on vient d'être pesé, tout le monde n'est pas pesé encore. C'est Christian de Villard qui gagne mon secteur. Comme d'habitude, et qui me bat 30 grammes avec des pêches de misère, 420 points pour gagner ce secteur-là, et le secteur à côté du pont, un peu plus de 700 points. Regarde la caméra. Non, mais le classico, il devient quand même de plus en plus difficile. C'est moi la vedette, alors. On en voit une petite. Ah, la place commence à se faire. C'est pas facile, hein. T'es encore au bistrot, toi. Alors, un pêcheur de première division nationale peut attraper un coup de soleil. Vous avez l'air fatigué, monsieur Kousselina. Il a pêché une heure et quart, Elisabeth. Il me semble que vous avez pris 50 grammes. J'ai pas de place. Il n'y a pas de place. Bonjour, monsieur champion. Alors, vous mettez les préservatifs à la main. Oui. Ça vous sert à quoi ? Surtout quand les extrémités sont percées. Je vais les doigter. Donc, t'as pris beaucoup de poissons aussi, toi ? Énormément, 100 grammes. Bien, bien, bien. Bienvenue au club. Dans l'organisation, moi je la trouve bien rouge, l'organisation. Ils rentrent du ski, alors, l'organisation. Est-ce qu'ils boivent trop de canons? Ils rentrent une semaine de ski, l'organisation. Ils gardent la caisse, ils gardent les résultats secrets, bien sûr. Je les ai pas finis, les résultats. T'as regardé ce que je t'avais filmé? Non, pas encore, mais... Alors, ça doit pas être de la grande qualité. Alors voilà, c'est mon assistant caméraman. Hein. Je suis pas un professionnel, hein, donc... Alors voilà la future équipe de France, enfin deux membres de la future équipe de France. Alors il y a une politique dans ce concours-là, c'est qu'on mange le pot-au-feu et tous les mauvais pêcheurs n'ont rien à manger. Alors les mauvais n'ont rien, alors ils ont beau essayer de se cacher, voilà, les mauvais n'ont rien. Ça nous fait de la peine pour le gamin, on va lui donner un petit bout de patate parce que ne voudrait pas qu'il dépérisse. Alors, voilà le club de Meursault, voilà le président du club de Meursault, à quoi ça ressemble, voilà, tu vois, voilà. Et ils essayent de quoi ? Ils essayent de détorber le René. Mais il est trop sérieux, René. Il est trop sérieux. Tu risques rien, hein. De toute façon, en finissant à chaque coup avant-dernier de ton secteur, personne va te prendre. C'est pas grave, il y en a bien un avant-dernier. 95 bleus. Alors, la traditionnelle tombola. Comment ça s'appelle ?
C'est là où est le plus fort. Hein. Les seules choses qu'il a gagné, René, c'est et des concours de circonstances et des tombolas. D'attention, parce que bon, on est nombreux dans la salle et on n'a que nos voix pour se faire entendre. Bon, je tiens à remercier déjà tous les pêcheurs qui sont venus aujourd'hui pour ce concours sans sas qui aurait dû être autre chose que mais les poissons ne pas répondre, on y est pour rien. Je voudrais aussi remercier toute mon équipe qui a fait un boulot, je pense, formidable aujourd'hui parce que ça fait très bien. Également tous ceux qui nous ont aidés pour cette journée. Et je remercie également la société de pêche de Pont-de-Vaux qui, malgré le poisson qui n'était pas là, a répondu présent. Merci. Je vous remercie. Et, alors, avec 14 points de mille également, les Diables Noirs. Ouais. Je suis vieux. Vous étiez déjà qualifié. Dixième avec 15 points, Club Forum B. Ouais. Du poil dans les oreilles. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. Hein. Ah non, non. Mais... Ah, tu seras pas, toi. Ah, bah non, mais attends, moi, j'ai un foyer. Mais j'y avais. Alors là, c'est l'organisation du prochain sans sas à deux cises. Si il y a un souci, je peux coucher avec tout le monde. Alors, voilà. Je peux coucher avec n'importe qui. Combien de kilomètres de deux cises, toi? 40. Moi, René, j'ai bien couché avec toi. L'équipe de Mâcon essaye de se faire inviter à dormir. Et à boire et à manger. J'ai trois chambres, je peux coucher. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on y va pas? Attends, il faut qu'on leur donne 10 euros pour qu'ils viennent. De retrouver l'Inde. Alors voilà, après de dures négociations, René a le droit de conduire le camion. Alors là, je crains le pire. Déjà, il est parti dans le mauvais sens. René, la sortie, c'est pas là. Il faut que tu fasses demi-tour. Bon, ben voilà. Bah écoutez, on va faire ce qu'on peut, mais je sais pas si on sera dimanche prochain à 2-6. Hein. Alors René, tu les as pris ces pichons à Pont-de-Vaux? Honnêtement, c'était très très dur. 1h45 capot, je te raconte pas. Raconte-moi quand même, s'il te plaît. 1h45. Et là, au bout d'1h45, le petit flotteur, tic! Ah, comme ça, comme t'as un énorme... Pichon. Ah là, j'ai 10 ans mis le nez dedans, ça va piquer. Deuxième touche, tic! Deuxième pichon. Après, comme des fous. Hélas, le Congo était fini. Mais bon, je m'en sors bien, troisième, à 6 places de l'aile. Ça va, battu par 140 points, c'est pas énorme. Je suis très très content de moi. Alors, tu as précisé tout à l'heure hors caméra que tu avais un voisin à qui tu avais foutu une grosse doudoune. Il s'appelle? Non. J'ai pas mis un voisin une grosse doudoune. Ah, Denis Pirat, Denis Pirat t'a battu alors? Denis Pirat, je l'ai pas battu, je l'ai atomisé. Ridiculisé. Ah, oula. Le pauvre, il pouvait pas lutter. J'ai la manche d'un pigeon, moi. Elle était toute fraîche de Belgique, j'en redescendais. Tu sais, le vieux là qui nous a servi 500 grammes de viande.